La nomination du technicien belge Mark Bryce à la tête des Lions est notable, fait déjà polémique au Cameroun, avec la FECAFOOT qui affiche son opposition. La suite, juste après le générique. La Fédération camerounaise du football, FECAFOOT, a exprimé sa vive désapprobation suite à la nomination inattendue de Mark Bryce en tant que sélectionneur des Lions Indomptables. Dans un communiqué officiel, l'instance dirigeante du football au Cameroun a déclaré son étonnement et son mécontentement face à cette décision unilatérale. Le communiqué rendu public peu de temps après l'annonce de la nomination de Mark Bryce souligne que la FECAFOOT n'a pas été consultée ni informée de cette décision, allant à l'encontre des dispositions du décret numéro 2014 sur 384 du 26 novembre 2014, portant sur l'organisation et le fonctionnement des sélections nationales de football. Selon l'instance dirigée par Samuel Eto'o, cette nomination survient à un moment où la FECAFOOT s'est engagée à coopérer avec le président de la République pour apaiser les tensions et assurer un avenir prometteur pour les Lions Indomptables. La FECAFOOT affirme qu'elle ne restera pas passive face à cette situation et prévoit de fournir des explications et une réaction appropriée dans les plus brefs délais. Il convient de noter que la nomination de Mark Bryce a été effectuée par le ministre camerounais des Sports sur l'instruction du chef d'État sans aucune implication de la FECAFOOT dirigée par Samuel Eto'o. Alors, selon vous, Mark Bryce pourra-t-il faire mieux que l'ex-sélectionneur camerounais Rigobert Song? Laissez vos réponses en commentaire. Bye bye!